Alors hier, l'OM a rempli une partie du Vélodrome pour un entraînement. Alors nouvel exemple de cette ferveur incroyable qui accompagne le club. On n'a pas attendu aujourd'hui pour le savoir, mais chaque exemple nous le rappelle un peu plus. On va sans doute le constater aussi jeudi pour le quart de finale retour d'Europa League contre Benfica. Cette ferveur doit-elle pousser McCourt à revoir à la hausse ses investissements à Marseille? Est-ce qu'avec une telle passion, on peut laisser le club vivoter? 32-16, pour en débattre, tu vas te chauffer contre lui Jérôme, mais tout d'abord on accueille Florent Germain, notre correspondant à Marseille, qui était sur place au Vélodrome hier. Salut Flo. Ah, il est là. Salut les amis, salut à tous. Bonsoir Flo. Décris-nous en détail donc cet entraînement devant 10 000 personnes. Oui, alors c'est la deuxième initiative du genre, ça s'appelle Familia Massalia, donc Famille Marseille, c'était dimanche matin à 11h, donc l'Orange Vélodrome a ouvert ses portes aux enfants et leurs parents ou accompagnants. En fait, un adulte pour 4 enfants en gros, pour avoir des places gratuites, et en tout il y avait 10 000 personnes. Écoutez, ça c'est le Aux Armes version Mino. Ça résonne hein, quand même, hein, c'est pas mal. Et c'est vrai que la grande tribune Ganet était en partie remplie par ces 10 000 enfants et donc quelques parents. Et ensuite, c'est vrai que tout le monde a joué le jeu puisque les joueurs ont passé plus de 45 minutes, quasiment une heure, à longer la tribune Ganet là sous le soleil pour faire des photos, signer des autographes. Ceux qui ont été les plus demandés, bon allez, on va citer des noms, Aubameyang évidemment, Samuel Gigot, il a toujours la cote, Amin Harit, Chancel Bemba ou même Léo Balerdi. Vous serez peut-être surpris, mais il est bien aimé des jeunes supporters marseillais, des minots, écoutez-les, tous ravis d'être là pour l'entraînement. Ça me fait plaisir d'être là parce que ça me fait plaisir de voir l'entraînement et les joueurs que j'aime. On voit nos idoles, nos joueurs préférés avec qui on a grandi, on les voit de près s'entraîner, c'est exceptionnel. L'OM c'est ma passion, c'est ma vie, depuis que je suis tout petit, je regarde tous les matchs et voilà, moi ça me dérange pas de faire une heure de route pour aller les voir, pour les soutenir et voilà, pour monter ma ferveur. Et là où c'est important, je trouve, hein, je donne un petit avis, c'est que dans une période où l'OM ne gagne pas de titre, les stars sont ailleurs, au PSG ou à l'étranger, voir que les plus jeunes, les enfants gardent cette foi-là, cet amour de l'OM, c'était assez marquant hier au Vélodrome. Et d'ailleurs, ça a marqué aussi Jean-Louis Gasset. Écoutez, il sait que derrière, il faut être à la hauteur de cette ferveur. On voit qu'il y a une attente, un espoir et une envie qui vont nous donner confiance. Ça veut dire qu'ils nous aiment et qu'ils comptent sur nous. Donc il ne faut surtout pas les décevoir. Voilà, il ne faudra pas les décevoir jeudi et le stade sera plein. Comme d'habitude, guichet fermé, 64 000 personnes jeudi pour le retour contre Benfica. Merci Flo. Même si on est habitué à ce genre de choses à Marseille, ouais. Jérôme, ça nous rappelle à quel point le club est particulier et donc doit être traité différemment par l'actionnaire, c'est ça? Oui, parce que moi j'en veux en gros à Franck McCourt, parce que souvent j'ai mis en avant le fait que il mettait de l'argent et qu'il a acheté le club, certes pas beaucoup par rapport aux derniers chiffres qui sont sortis sur sa fortune, hein, qui vacille aux alentours de 2 milliards. Ça fait de l'argent quand même, tu vois. Donc il est 2000e fortune mondiale. Donc Marseille n'est pas géré, n'a pas un propriétaire qui a pas d'argent, quoi, tu vois. Donc souvent on a dit oui, mais faute de moyens et ceci. Non, c'est juste qu'il a pas envie d'en mettre plus, tout simplement, parce qu'il pourrait, avec tout ce qu'il a, il pourrait. Et quand tu as acheté le club aux alentours de 50 millions, 60 millions d'euros, quand tu vois sa fortune, tu dis que c'est pas beaucoup. Alors bien sûr qu'il investit, qu'il y avait des pertes, tous les ans il faut mettre de l'argent et tout ça, mais bon, c'est même ridicule par rapport à sa fortune et c'est même ridicule par rapport à l'OM. Et moi, où je lui en veux d'autant plus, c'est que quand je vois cette année la stratégie, encore une fois, de Pablo Longoria, aucune stabilité, l'instabilité récurrente à Marseille. Alors, ça allait dans le bon sens parce qu'il y avait les résultats, sauf que tu ne pouvais pas construire parce que tu ne pouvais pas garder de joueurs. Parce que moi, on m'a expliqué que les joueurs ne pouvaient pas rester parce que quand tu as des offres mirobolantes sur certains mecs qui ont brillé sur une année, tu ne peux pas les retenir. Sauf que oui, il peut les retenir, sauf qu'il faut juste avoir cette envie-là de construire. Et Franck McCourt, il réagit un peu trop comme l'Américain qui découvre l'OM mais qui met pas l'OM tout en haut. Moi, je suis désolé, l'Olympique de Marseille, avec cette ferveur-là, mérite d'avoir un propriétaire qui mette la main à la poche et qui attire des joueurs, des grands joueurs. Et pourquoi aujourd'hui je me braque contre lui? C'est parce que je vois cette équipe de l'OM et elle ne mérite pas de représenter l'Olympique de Marseille avec toute cette ferveur-là. Dire pour moi, il y a
a aucun grand joueur à Marseille. Il y a aucun même bon joueur à Marseille. Et c'est, et bon, c'est quand même. Non. Attention, quand je te dis, je te parle de bons joueurs, très bons joueurs, c'est des joueurs internationaux qui brillent aussi avec leur sélection ou qui sont régulièrement appelés en sélection. C'est ça l'OM. Normalement, quand tu te brilles, et je suis désolé, je parle sous contrôle de Duga, qui l'a connu aussi à une autre période, mais pour avoir des résultats à Marseille, il faut des joueurs internationaux. Dans tous les grands joueurs, dans tous les grands clubs, c'est comme ça. Si tu ne l'as pas, ils ne peuvent pas gérer la pression parce que les joueurs internationaux, ils gèrent la pression et en plus, ils te font monter au rideau tous les supporters parce qu'ils te donnent envie de les amener, de les pousser parce que techniquement, ils ont plus de talent. Je suis désolé, quand je vois l'équipe de Marseille aujourd'hui, quand je vois les grands matchs qu'il y a eu de Marseille cette année, il y a eu des affiches. Le match aller à Lisbonne, c'est exactement ça. Bah, je suis désolé, je reste plus que sur ma faim. Je suis même limite en colère. Je me dis, mais c'est pas possible. Là, il va y avoir un stade plein, comme le dit Flo. Mais franchement, qui c'est qui va faire grimper au rideau? On va être encore déçus, moi, je vous le dis. Alors, j'espère me tromper. Ouais. Mais quand même, dire du talent, ça s'achète. Il faut qu'il mette la main à la poche, Franck McCourt. Et s'il n'a pas envie, pour ses raisons, et je peux les comprendre, eh ben, vends. T'as acheté le club 50 millions. Va pas en demander 300 aujourd'hui. Vends, sois raisonnable, alors, et puis donne l'opportunité à un véritable actionnaire avec de l'argent de faire grimper les gens au rideau. Duguay, est-ce que tu es d'accord avec Jérôme ? On précisera qu'il a quand même investi entre 400 et 500 millions d'euros depuis qu'il est Combien ? Qu'il est à 400 à l'OM. Oui, sur tout ce Mais ils sont partis où ? Mais t'as oublié peut-être Jacques Héros et la dette chaque année aussi qu'il faut éponger. Moi je te parle de tout. Après, il y a eu des revenus aussi. Il y a eu de l'argent qui est rentré Flo. Oui. Alors, Duga, tu dis que tu n'es pas du tout d'accord avec Jérôme. Mais bien sûr que non. En plus, je trouve ça tellement ridicule de faire une corrélation entre l'argent et le succès. Voilà, je trouve que c'est ridicule de dire des choses comme ça parce que si quand même. Mais non, ça aide du gars, arrête. Mais non, oui, mais ça aide en quoi? Ça aide en quoi? Avoir des meilleurs joueurs, du gars. T'es le premier à dire qu'il n'y a pas de meilleurs, il y a pas de bons joueurs à Marseille. Mais arrête de dire des conneries. Alors dis-moi, ce n'est pas parce que tu as des meilleurs joueurs que tu gagnes des titres. Ça ne veut rien dire ce que tu dis. Autrement, Manchester City, ils n'auraient pas attendu 12 ans ou 15 ans pour gagner. Le Paris Saint-Germain aurait gagné la Ligue des Champions depuis longtemps. Ça ne veut rien dire. Ah bon? Ça ne veut rien dire. Brest, ils jouent la Ligue des Champions. La gagne en Ligue des Champions l'année prochaine. Plus tu mets de l'argent, plus tu fais de conneries. Voilà, le problème de l'OM, c'est pas qu'il y a assez ou pas d'argent. Il y a un budget de 220 millions d'euros. Ils sont capables aujourd'hui de donner à des joueurs 650 000 euros de salaire par mois. C'est énorme. Le budget, il est là. Le problème de l'OM, c'est que ça travaille pas suffisamment bien. C'est tout. C'est que la stratégie est pas suffisamment bonne et adaptée. Je crois que l'OM fait partie des trois clubs qui revend le plus mal ses joueurs en termes de transfert. C'est catastrophique. Alors comment t'expliques l'effectif s'il n'y a pas un problème d'argent alors? Mais parce qu'il y a des mauvais choix de fait. Quand tu as un budget de 220 millions, ta matière à recruter des joueurs. Mais Duga, tu peux pas me dire ça. Quand tu as une différente valeur. Quand tu donnes 650 000 euros à des joueurs qui a actuellement, c'est inadmissible. Mais d'accord, c'est un joueur. C'est Aubameyang. Mais regarde, je te prends l'exemple de cet hiver. S'ils avaient les moyens, comme tu le dis, pour compenser le départ d'un joueur comme Lodi, qui a fait 6 mois et qui est parti parce qu'il avait une offre intéressante, ils ont pris Quentin Merlin de Nantes qui joue la relégation avec Nantes. Mais il n'est pas moins bon Merlin que Lodi, qu'est-ce que tu racontes? Lodi, personne n'en voulait. Lodi, il a filé en Arabie Saoudite, qui le veut à Lodi? Mais je te parle du recrutement de Merlin. S'ils ont, comme tu l'as dit, Merlin, un budget suffisant. C'est un joueur, Merlin. Jean-Louis, je quitte le studio. Alors, quitte le studio deux secondes. Louisa, qu'est-ce que t'en penses entre les deux? Est-ce qu'il y a besoin d'argent pour être bon? Il comprend rien, Jérôme. Il comprend rien. Ah oui, carrément. Conneries pareilles. Il faut mettre de l'argent. Pour avoir des bons joueurs, il faut mettre de l'argent, du gars. Arrête. Attendez, redescendez tous les deux. Pour avoir des bons joueurs, c'est de gagner des titres. Qu'est-ce que tu racontes comme titres? Mais tu les gagnes comment, les titres? Arrêtez de crier. Et alors, tu les gagnes comment avec des bons joueurs? Non, pas du tout. Tu les gagnes avec Harit, avec Veretout et avec Rongier, les titres? Arrête. Je te parle pas de ça. C'est pour ça que je te dis que c'est une mauvaise stratégie et c'est un mauvais choix de joueur. Mais l'argent, il est là. Louisa. Il est là, l'argent. Il faut des deux parce que les bons joueurs, les joueurs de qualité coûtent cher aussi. Bah oui. Après, ce qui n'est pas bien fait à l'OM, c'est le choix des hommes. Le choix des hommes n'est pas bon. Quand on regarde le recrutement marseillais dans le secteur
offensif, parce qu'on perd quand même un Alexis Sanchez qui pour moi était encore un très bon joueur, notamment sur la saison qu'il fait à l'OM. Derrière, on recrute Aubameyang, Sarr, Ndiaye, Moumbagna. Derrière Aubameyang, les trois que je viens de citer, ils ne répondent pas présents dans le secteur offensif. Donc c'est surtout le choix des hommes. Mais tu le savais, Louisa, on le savait avant le mais coup quand même. Sanchez a arrêté, mais Sanchez, il a préféré être remplaçant. Mais Dugas, tu me parles que c'est pas un problème d'argent. Il y a Ndiaye, ils ont recruté ça. Attends, Louisa, vas-y, finis. Je note déjà que Dugas est moins agressif avec Louisa qu'avec Jérôme, mais je m'en félicite. C'est pas normal. Vas-y, Louisa. Ça, c'est pas normal. Fume, Louis. Non. Fume, Louisa, Dugas. Non, mais Sanchez, ils n'ont pas réussi à le garder parce que justement, il ne répondait pas à la demande financière, surtout. Donc, c'est pour ça qu'il a préféré aussi aller être remplaçant du côté Louisa, de l'Inter. Mais qui parte, le donc, c'est un problème d'argent. À l'Inter, qui préfère être remplaçant à l'Inter plutôt que titulaire à Marseille pour de l'argent, et bien le mec, mais part, mec. Part. Il n'y a pas de problème. Ah, ben oui, ben ils l'ont laissé. Ça doit pas être un problème dans un club. Mais derrière, le choix des hommes n'est pas bon. C'est vrai que la qualité de l'OM aujourd'hui, notamment techniquement, c'est pas bon. Il n'y a aucune cohérence d'équipe. Alors, c'est vrai qu'au milieu de terrain, ça ne fait pas rêver. Devant, derrière Aubameyang, il n'y a personne qui répond présent. Donc, aujourd'hui, l'équipe de l'OM n'est pas bonne et n'est pas à la hauteur de la ville, de la ferveur, des supporters. Parce que c'est vrai que quand on parle de Marseille, c'est la ville qui vit le plus pour le football. C'est une passion dans la diversité. Bah oui. Et l'équipe, donc, il mérite mieux. Il mérite mieux. Et Dugas, avec les. Quelle est la conclusion ? Il faut plus d'argent ? Non, non, mais attends. Mais il faut plus d'argent. Il faut plus de réflexion que... dans le recrutement, peut-être investir plus, et c'est un peu de tout. Mais Louisa, je vais te dire, Dugas, il veut pas me donner raison, mais il le sait très bien. Si Marseille avait plus d'argent, tu crois qu'ils auraient recruté Sarr, Ndiaye et Moumbagna offensivement ? Non, mais sérieusement, tu crois qu'ils seraient pas allés chercher des joueurs plus importants ? 220 millions d'euros. Ils investissent mal, Marseille. C'est pas suffisant pour faire autre chose ? Mais c'est pas suffisant parce que. Bah disons quand ça fait 5 ans que c'est ça, bon, c'est un autre problème. Je suis désolé. Faites le recrutement de cette année, juste de cette année. Je parle même pas des autres années. Combien ça a coûté en euros, Flo ? Les transferts de Sarr, Ndiaye, Moumbagna. Ah oui, bah écoute, j'ai pas les chiffres là sous les yeux. Bah mais combien ? On est 30. Sarr, Moumbagna et Ndiaye, on doit être à quasiment 40 millions d'euros. Quoi. Ouais, voilà, 40 millions d'euros. On parle de l'attaque, hein, Vitinha. On parle de l'OM. Vitinha. Oui, Vitinha, 28, ouais. Sans compter les bonus. Le problème, c'est pas le transfert de Vitinha. C'est 30 millions, tu peux trouver un bon joueur à 30 millions. Le problème, c'est qu'ils se sont trompés sur le joueur à 30 millions. Dugas, Marseille, Marseille, c'est une ferveur et tu le sais très bien. Tous les ans, si tu n'arrives pas, mettre 100 millions sur la table pour essayer de recruter, qu'est-ce que tu veux ? Si avec 100 millions, tu recrutes 3 Vitinha, il vaut mieux n'avoir que 20, ça sert à quoi ? Oui, mais si tu as l'opportunité d'en recruter 3, peut-être que sur les 3, tu en auras un ou deux de bons. Parce que là, tu en as recruté un, il est mauvais.